إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيساكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نو كنت avec explication نو عقيدة لو الله سبحانه وتعالى et toujours nous apprendre concernant l'importance et vertu des tawhid et hier nous finissons apprendre C'est ça l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala les fait descendre ban livre, retour ban livre vers ban prophète. Et c'est ça l'objectif qui fait Allah subhanahu wa ta'ala les fait envoyer ban prophète dans la terre. Le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étant dernier prophète et meilleur parmi ban prophète, nous apprend l'importance Tawhid da'wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Réci, nous fin, amène bonne preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie bonne prophète pour ça l'objectif-là. Message des bonnes prophètes. Message principal, mission principale, c'était ça. L'invitation vers Tawhid. Alors nous prenons quelques exemples de la vie, ou bien de parole. Et la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui vraiment c'était ça l'objectif principal de ce da'wa. Alors premièrement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li tiya dan hadith, li tiya bu'ithu bayna yaday sa'a, bisayf hatta yu'bad Allah wahdahu, la sharika lah. Li tiya mufinet envoyé six avant qiyama, avec l'épée afin que seul Allah est adoré sans aucune association. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin envoyé lui. L'eau, la terre, et fin donné comme mission. Qui mission? C'est pour faire ban djemoun. Adosis Allah subhanahu wa ta'ala et pour pas associer personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les fin prophète à l'âge de 40 ans, les fin fait da'wa pendant 23 ans. 13 ans à Makka, 10 ans à Madina. Et quand nous étudions la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, da'wa que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin amené, qu'il soit à Makka, qu'il soit à Madina, c'était ça, da'wa principale. Et surtout, quand nous fin apprendre que c'est sa même base de l'islam, l'invitation vers Tawhid, c'est sa même base de l'islam, nous trouvons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa da'wa à Makka fin commence par sa même. Et c'est sa même l'aspect qui le fin met. Le fin attache beaucoup l'importance et surtout qu'il peut faire face à un peuple qui ban la zot faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Zot piado ban les autres apporte Allah azza wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il commence da'wa à Makka, c'est ça l'aspect-là qu'il fait. Attache beaucoup l'importance, il fait faire. C'était ça, ce da'wa principal qui fait. Et pourtant, nous tous connaissons que l'islam, c'est pas juste ça. L'islam, il a beaucoup ban les autres actions qu'Allah subhanahu wa ta'ala recommande nous pour nous faire. Mais qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il commence sa da'wa à Makka, qui fait qu'il commence par sa da'wa là? Qui fait qu'il commence par sa da'wa là? Il maintenait sa da'wa là jusqu'à ce qu'il quitte Makka le final. Jusqu'à ce qu'il quitte Makka le final, citant persécution tifoda de Makka. C'est qu'il fait toujours mettre l'emphase au tawhid. Et là, c'est une réponse pour ban. Quand on peut faire da'wa, je dis, nous pas cause concernant tawhid dès les débuts. Ça, c'est une première mauvaise conception qu'il y a de da'wa, qui faudrait pas nous cause concernant tawhid d'un commencement, mais après nous cause concernant tawhid. Qui fait pour nous gagner les cœurs ban timon? Pour nous garder les cœurs, ben, nous invitons vers ben, l'enseignement qui tout le monde d'accord. Là. Nous invitons par exemple vers l'obéissance maman-papa. Nous invitons vers façon
assis en verbe en voisin, ou bien en verbe en proche. C'est-à-dire, ben, ben, les autres aspects que l'islam finit recommande, nous pas doute là-dedans. Mais nous pas cause concernant Tawhid pour un commencement, après nous cause concernant Tawhid. Alors, chers frères et sœurs qui sont iman, connaît que Allah subhanahu wa ta'ala finit en voie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire da'wa, l'eau salatera. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne sur Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour commencer par Tawhid. Et nous avons une raison qui fait parce que c'est ça même l'aspect plus important d'Adawa et c'est ça même l'aspect plus important pour un démon qui peut vivre au salatera et c'est une question de Jannat et Jahannam. Alors nous pas pour capable de déclarer qu'il nous plus connaît, ou bien nous plus connaît faire Dawa, ou bien nous plus comprend Dawa qu'Allah sur Rasul Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Vu que nous, tous nos bonnes actions reposent là, à cause de même Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour commencer ce da'wa avec ça. Parce que tout bon qui nous pouvons faire après ça, tout repose là même. Si nous pouvons inviter un petit monde, comme certains disent, non, nous pas cause concernant Tawhid au commencement, nous cause concernant les autres aspects. Si nous faisons da'wa avec un démon, nous finissons inviter vers tout ce que l'islam finit invite vers ça. Vers tout le bon caractère. Nous finissons récit en livre d'élite, tout le mauvais caractère. Mais seulement un seul da'wa, nous pas de récit fait avec lui. L'infiniment, nous pas fin récit à enseigner qu'il y a d'osis Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il y a pas ado. Ben, les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, nous pas de faire da'wa avec ça, démon. En vérité, nous pas de faire. Nous ne pouvons pas faire dawa avec ça, parce qu'ils ne peuvent pas fin atteindre l'objectif qu'ils visent avec lui. Mais le contraire, ça n'a rien à sens. Si par exemple, nous faisons dawa avec un démon, nous ne restons pas faire comprendre que les visages d'Osis Allah. Les visages pas ados, ben les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous ne pas fin réussir à inviter vers ben, les autres l'enseignement de l'islam. Ben, les autres l'enseignement de l'islam. C'est moi, ça dit, nous ne restons pas faire comprendre. Qu'il y a d'osis Allah, il n'y a pas fait shirk avec Allah, et par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, il réalise tawhid, il fait tawba de tout ban shirk qu'il est là-dedans. Ça dit, mon là, en vérité, nous finissons atteindre l'objectif de dawa avec lui qui vient, parce que c'est l'objectif principal de dawa. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce dawa à Makkah, quand il commence même, il dit, ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah, tuflihu. Il dit, oh, ben, tu es mon Dieu, la ilaha illallah, je peux faire succès. Et là, je peux faire réussir, je peux faire succès quand je dis la ilaha illallah. Et Mouchrik Makkah peut opposer à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, à cause de sa dawa. À cause de sa dawa avec Tawhid là, Mouchrik Makkah, malgré ces autres mêmes qui finissent dire concernant Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ma jarabna alayka kaziban. Avant qu'il commence au dawa, Mouchrik Makkah reconnaît Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme un djimoun qui est honnête, comme un amin, un djimoun digne de confiance qui est honnête. Zot même qui dit concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jamais nous fait une expérience de topas mensonge, c'est-à-dire jamais nous comptons faire une cause menti. Mais une fois que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finalement sa dawa vers Tawhid là, sa dawa qui demande pour adosis Allah, pas adosis, ben les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Ce peuple fin commence oppose. Il y a la même qui se dit Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Est-ce qu'il nous peut faire tout ça, ben ilah là? Vinansel ilah, en vérité, ça c'est une question qui est bien étrange. C'est-à-dire, est-ce qu'il nous peut quitter adoration de tout ça, ben idol là? De tout ben les autres apportés Allah subhanahu wa ta'ala pour nous adoser, ça là? Je peux trouver ça comme une question qui est étrange. Et réfléchissez, frère et sœur, qui est l'imam. L'islam, c'est un dîne complet. Et il y a beaucoup l'enseignement qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle à nos rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vraiment, invite vers ben, les autres l'aspect, tu as un moyen pour qu'il nous gagne l'équerre dans ben, le monde. Ensuite, nous invite les autres vers Tawhid. Nous faire Tawhid vient après. L'invitation vers Tawhid vient après. Peine à doute que le premier qui peut faire c'est nous Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si les types faire ça, au commencement, les types peuvent inviter. Ben, Mouchrik Makkah, vers ben, les autres aspects autres qui tawhid, ben là, tu peux d'accord avec lui. Ben là, tu peux d'accord avec lui. Mais qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas fin ordonne sur Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire ça parce que
C'est pas ça. Comment nous finir à apprendre? C'est pas ça l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer nous dans la terre, finit créer nous. C'est pas ça l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer son Rasoul. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam pour lui venir accomplir une mission principale. Père à doute qui c'est pas ça que Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam finit bizarre. Les fins bizarres commencent qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit ordonner pour lui commence par ça. Et sa dawa là, dawa que Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam finit amener là, pas ici, les fins galons pour qui les habitent ce peuple via l'adoration zis Allah subhanahu wa ta'ala et qui pour avertir la conscience, mais même lui, même Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala finit ordonner pour qui les fait ibadat zis pour Allah. Et il n'est pas associé personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, dit à la surah 39, verset 11 à 14, dit à Qul inni umirtu an a'bud Allah mukhlishan lahu din. Ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit à Banna, certainement, mon fin galour pour adorer Allah étant insensé envers. Il a fait tout ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit à l'au-delà. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui-même lui fin gaïsa en premier pour qu'il y adosisse Allah subhanahu wa ta'ala, lui pas associé personne ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala. Lui jawa omirtu, lui an akuna awwal al muslimin. Et mon fin gaïlo pour qu'il m'ouvine les premiers à soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, dans surah 13 verset 36, قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Dire, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe Banna. Tout simplement, mon fin galop, pour adorer Allah, pas faire shirk avec lui, et c'est vers lui qui m'a invité, et c'est vers lui les retours. De Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin galop, ça, ça l'aude. Et sa da'wa là, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit amène sa da'wa là. Par une quelque chose important dans da'wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, nous tout connaît très bien comment ban mushrik Mecca pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam y arrête faire sa da'wa là. Qui da'wa? Pour y arrête invite ban jimoun pour adosis Allah et pour pas adorer ban les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Ban mushrik Mecca zofin essay influence Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il y arrête sa da'wa. Il y a même qui zofin propose par exemple pour donner leadership de Mecca. Jusqu'à leadership zofin propose Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Arrête faire sa da'wa, nous fais toi une chef de Mecca. Et ben les autres propositions encore. Mais question qui nous posons, chers frères et sœurs Kenaïman, est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a accepté sa bonne proposition que Mushrik Mecca a fait avec lui là? Est-ce qu'il a accepté sa bonne proposition là? À aucun moment, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a accepté sa bonne proposition là de la part des bonnes Mushrik Mecca. Et impossible pour lui accepter. Qui vient? Parce que c'est pour ça. C'est pour ça l'objectif là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Et ça, c'est une preuve. C'est une preuve qui nous promène encore dans les autres. Preuve dans les autres, l'exemple. Qui, l'objectif d'Awa, à aucun moment, ce n'est pas qu'il nous gagne le leadership. Ce n'est pas qu'il nous gagne pour contrôler le monde. Mais l'objectif d'Awa, c'est nous inviter dans le monde vers le Tawhid. À cause de même, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'in toujours mettre l'emphase l'eau-là, et que c'est ça, qui vient un moyen pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait Ali, vient un leader après l'in conquérir Mecca. Quelque chose qui fait Ali conquérir Mecca. Réfléchis, mon frère, mon cher, si l'objectif de Dawa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comment certains font comprendre de nos jours, que l'objectif de Dawa c'est nous mettre un khalifa. Une fois, nous gagnons un khalifa. Alors, tous les efforts qu'ils ont pu faire dans la da'wa, pour eux, c'est bizarre mettre un leader, bizarre mettre un khalifa. Il y en a d'autres qui khalifa, il y en a sa place dans l'islam. Mais seulement, il n'est pas l'objectif principal dans nos da'wa. Parce que khilafa, khalifa, n'ont pas gagné, excepté quand nos situations
Les corrects, c'est d'accepter comme un musulman, je pratique l'islam comme un visage. Allah subhanahu wa ta'ala honore aux autres pour faire ce qu'il y a un khalifa qui vraiment un khalifa qui a l'islam à cœur et qui invite vers l'islam authentique. Mais aussi longtemps, à cause de notre qui l'histoire, dans l'histoire, le musulman finit perdu. Khilafa. Quand je perds khalifa, quand je finis loyer depuis din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, l'objectif de Dawa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment, c'était pour qu'il y ait le leadership des Marocains. Parce que si c'était ça l'objectif de Dawa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand Moussrik Marocain t'y propose pour donner le leadership, et tu bizarre finir accepté depuis longtemps. Mais non, l'in refusé, l'in maintenir le sa Dawa, qui appelle Tawhid là, parce que c'est ça l'objectif de ce dawa. Et quand il réalise l'objectif pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyé comme prophète l'eau sur la terre, finalement, il conquérit à Makka. Après, Allah subhanahu wa ta'ala finit honoré. Allah subhanahu wa ta'ala finit fait gagne, contrôle le Makka. Après, quand il réalise Tawhid et quand il invite vers Tawhid. Alors, tout ça là, c'est une preuve qu'il a dawa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif principal tous les temps, c'était Tawhid. Et même dans le Moussik Makka, fin proposé pour qui ça dire en azou je t'adore Allah en azou ban musulman adore ban idole mais sa bonne qualité proposition là à aucun moment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fin accepter ça de la part de ban mouchrik Makkah parce que c'est pas une question faisable. L'islam pas d'accord avec ça qui nous reconnaît l'adoration de ban les autres apportants Allah subhanahu wa ta'ala qu'au sa même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas fait laisser influencer par tout cela, mais il finit maintenir le sadawa qui appelle dawa vers Tawhid. Parmi l'exemple de dawa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer que l'objectif c'était l'invitation vers Tawhid, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tiens un moment, que si ta persécution dans Makka, tu viens insupportable, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à Taif, un endroit qui prie à Makkah. Mais là-bas aussi, il n'a pas fini d'accepter jusqu'à ce qu'il ait fini de retourner à Makkah. Et là-bas, il a fini de résister sur Dawa, je fais bouffon avec lui et je finis de repousser. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut retourner depuis Taif, Allah subhanahu wa ta'ala finit envoyer ange qui est responsable des bonnes montagnes, vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et sa anse là, les fin dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez, me couvrir maintenant avec sa des montagnes, c'est comme une punition. Si vous voulez, me couvrir maintenant avec sa des montagnes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, écoute sa réponse. Écoute réponse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui dire, les diables, non, même il y a l'espoir qui a la tire depuis eux, et puis nous avons une génération, depuis sa bande la même, une génération qui peut faire ibadat juste pour Allah, et qui ne peut pas faire shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une réponse encore pour montrer que l'objectif de Yadawa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fin vin l'eau la terre pour qu'il y touye ban jimoun. Pour qu'il y touye ban jimoun. C'était pas ça l'objectif principal derrière d'avoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que si ça, si c'est l'objectif, longtemps, tu peux finir dire avec sa déance là, oui, avec sa déance là, oui, fais aller al de l'avant. Joigne ça des montagnes là, finis sa peuple là. Mais c'est pas ça l'objectif de Yadawa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif c'est pour faire des gens adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Même ça, la loi qui est dans le din, Allah azza wa jal, qui appelle djihad, qui disent, ban opposants de l'islam, ou bien certains ban musulmans même, par cette mal compréhension de l'islam, je finis gâte l'image de ça ibadat qui appelle djihad là. En vérité, si nous réfléchissons, même concernant le djihad, qui est l'objectif de Yassa, ce n'est pas pour tout le monde, non, mais c'est pour faire du monde accepter l'islam, pour faire du monde adorer Allah,
pour faire du monde arrête associer qui ken ensemble avec Allah subhanahu wa ta'ala pour bien-être qui s'en a pour bien-être sa bande du monde la même. Parce que c'est une question jannat jahannam, c'est une question paradis et l'enfer. C'est pour dire bien sa bande du monde la même pour son propre petit bien qui Allah subhanahu wa ta'ala, les créateurs, fin envoyé. Ben messager l'eau sur la terre là pour inviter vers l'adoration juste à la terre là afin qu'ils s'abandonnent là, ils fassent succès, ils fassent succès et ils gagnent paradis et Allah subhanahu wa ta'ala protège eux contre différents faits. Alors à aucun moment ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ni ben les autres prophètes ils font venir la terre pour tuer ben Dieu. Oui, il y a la loi d'Adin. Allah subhanahu wa ta'ala est allé parfois ben la fin de cette défense, parfois au final conquérir ben pays. Mais à aucun moment, ce n'est pas ça l'objectif derrière sa ibadat qui appelle Djihadat. Ce n'est pas juste aller tuer du monde. Quand ça même parmi ban, quand nous pouvons lire, mais ça, ce que la Sourullah sallallahu alayhi wa sallam fin donne, ce ban compagnon, quand il finit envoie les autres pour faire Djihad, première chose qu'il dit à les autres qui était, invite banna vers l'islam avant. Invite banna vers l'islam. Invite pendant pour adorer sa créature là pour pas associer personne ensemble avec sa créature là. Si l'objectif tu dis tout le monde, mais ça ban introduction là pas tu peux dans même comment aller si vous dites comme ça comment je t'aller tout le monde. Mais ça c'est pas l'islam ça. À aucun moment c'est pas l'islam. L'islam pas fin vin pour tout le monde. Mais l'islam fin vin pour bien-être ban du monde, pour faire du monde comprendre qu'il veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour pas adorer. Ben les autres apportent Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une parmi ben mauvaise perception qui certaine ben musulmans pas autres manque de connaissances au terrain concernant djihad et qui ben l'ennemi de l'islam fin servir ça pour cause mauvais l'eau l'islam et qui n'importe quand n'importe qui s'en a les retourne vers ben vrai l'enseignement de l'islam les potrouve qui à aucun moment l'islam fin vin pour faire dito du monde. Au contraire l'islam fin vin pour bien-être des bandits mon l'eau salatière là et dans la vie dans la vie après c'est après nous l'amour à lequel la subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension de nos dînes qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos convictions l'eau sal islam là et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir moyen pour qu'il nous invite par les autres vers l'islam authentique pour qu'il nous donne vraie l'image de l'islam aban qui pas comprend l'islam afin que ça vienne moyen pour que accepter l'islam. Pour quelle raison? Parce que c'est là-dedans qu'il y a d'autres, du bien là-dedans qu'il y a d'autres bien-être, qu'Allah subhanahu wa ta'ala y aide nous tous. Inch'Allah, demain, nous pouvons continuer avec ben, les autres exemples dans la vie. Nous rassurons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il fait la tasse, grande importance avec Tawhid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les pas de nous pour tous nos bannes grands, nos bannes spéciales qui nous font faire. Subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.